Une salutation affectueuse, doublée d'une accolade. Le soleil était à midi. L'ambiance électrisée dans le jardin de la Villa Nkoro. Le président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, rend une visite familiale à son père, Antoine Gabriel Kyungwak Mwanza, qui avait à ses côtés le gouverneur de province, Jacques Kabula Katwe. Un décor tout planté pour la circonstance, garni par un parterre des cadres et militantes et militants de l'UNAFEC. Un moment pathétique qui a vu le patriarche Antoine Gabriel Kyungwak Mwanza submergé d'émotions, sortir de mots de remerciement. Merci, Monsieur le Président. Le peuple croit en vous, en votre personne. Nous savons désormais qu'avec vous, nous allons voir clair. Le peuple va y trouver son compte. Ne dites-vous pas, minuit, jour, à tout moment, le peuple est... Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reconnu la modestie de celui qu'il appelle affectueusement papa. Je remercie mon papa, comme je l'appelle affectueusement, le seul papa qui nous reste. Il est vraiment modeste, mais c'est lui sur qui repose mon espoir dans le grand Katanga. Nalani Komba Nabino, vous avez refusé de tomber dans le tribalisme. Vous avez refusé de tomber dans le séparatisme. Vous avez bien fait d'écouter la voix du patriarche. Moi, je suis déterminé à ramener la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a, avant de clore son propos, appelé tous les habitants du Haut-Katanga à la vigilance et à apporter leur soutien aux services de sécurité afin de mettre fin aux violences et à l'insécurité. L'histoire retiendra que la Villa Nkoro, qui a accueilli le président de la République ce jour, l'avait reçu au mois d'août 2017 comme président du RASOP. Entendez, rassemblement de l'opposition politique.